tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors, nous voici arrivés dans la vidéo numéro 2 de la série des publications que je mets en ligne sur mes différentes plateformes. Toutes ces publications ayant un seul objectif, mieux partager avec vous sur le sujet du business du taxi sur le continent africain. Si vous n'avez pas eu l'occasion de suivre la première vidéo de cette série de 3, je vous invite tout de suite à le faire en cliquant dans le lien qu'il y a soit dans le descriptif de cette vidéo. Vous allez voir, elle est intitulée vidéo numéro 1. Ok, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir apprécier le contenu de cette première publication. Alors, avant d'enchaîner tout de suite sur la vidéo numéro 2, je souhaite tout de suite vous faire un petit résumé de ce qui a été dit dans la vidéo numéro 1. Vous êtes allé avec moi dans les rues de la capitale gabonaise. Et la question qu'on s'est posée dans cette première série était celle de savoir, est-ce qu'il y a encore des gens qui investissent dans le business du taxi? En effet, habituellement, il suffit d'aller sur ma page Facebook et les différentes publications où je parle de ce business, où je parle de la rentabilité qu'il y a dans ce business. Pas mal de personnes viennent souvent dire que ce n'est pas un business rentable, que c'est d'autres types de personnes qui ont tendance à gagner de l'argent dans ce business, des personnes dont je tairai les noms ici. Donc, je me suis dit, alors, puisque c'est un business qui ne rapporte pas, essayons d'aller faire un tour. J'ai pris, pour exemple, l'une des rues de la capitale gabonaise, Libreville, pour voir s'il y avait encore des gens qui investissent dans ce secteur. Vous l'avez vu dans cette série numéro 1, que la réponse est édifiante. Oui, oui, je vous rassure tout de suite, il y a encore du monde qui investisse dans ce taxi. Et la moralité de cette histoire, la petite résumé, ce qu'on peut tirer comme élément de conclusion, c'est que contrairement à ce que certains pensent, le business du taxi rapporte encore. Et il y a encore des gens qui investissent dans ce secteur d'activité. Et je tiens tout de suite à vous rassurer, ces gens-là ne font pas du bénévolat. Ils ne sont pas là tout simplement parce qu'ils aiment déambuler dans les rues des capitales africaines à bord d'un taxi pour rendre des services. Je reconnais que l'objectif premier est bien celui de rendre des services à des personnes qui souhaitent se rendre à différents endroits. Mais derrière, je vous rassure tout de suite, il y a du gain. Si ce business ne se rapportait pas, je vous le dis tout de suite, ces derniers auraient déjà arrêté d'investir dans ce business. Donc, le business du taxi rapporte encore. Il y a certes des difficultés dans ce secteur d'activité, comme dans tous les secteurs d'activité. Le business du taxi est un business comme tout autre, avec ses particularités. Mais qu'à cela ne tienne, je connais très peu de secteurs d'activité dans lesquels il y a zéro problème, zéro difficulté. Les entrepreneurs que nous sommes savent habituellement que tous les secteurs d'activité regorgent des difficultés, des particularités. Et c'est aussi le challenge que nous aimons relever. Il suffit pour tous ceux qui souhaitent investir dans ce secteur d'activité de s'informer, de savoir quels sont les bons process, les bonnes méthodes qu'il faut mettre en place pour sortir gagnant de ce type de business. Donc, vous l'avez compris, le business du taxi est toujours rentable et il y a des gens en 2020 qui continuent d'y investir. Je propose dans cette série numéro 2 d'aller plus loin. Nous étions dans un coin de la rue à Libreville et nous avons bien vu que des taxis circulaient et que ces taxis ne circulaient pas vides. Qu'il y avait bien évidemment des gens qui continuaient de tendre le doigt et d'emprunter ce moyen de transport. Maintenant, je vous propose dans cette série numéro 2 de faire un exercice. Ça c'est bien beau d'investir dans le business du taxi, ça c'est cool. Mais si un instant on s'arrêtait et qu'on se glissait dans la boue d'un chauffeur de taxi. Ça vous dit? Ok, c'est important des fois aussi de se glisser dans la peau d'un business ou des gens qui entreprennent dans ces secteurs d'activité. Donc, je vous propose sans plus tarder de vous glisser dans la peau d'un chauffeur de taxi. Allez, mettez-vous, habillez-vous confortablement et venez avec moi. On va faire un petit tour, une fois de plus, de la capitale gabonaise et nous glisser dans la peau d'un chauffeur de taxi. Restez bien assis, ne quittez pas et allons-y faire un tour de ville dans Libreville. Allez, venez avec moi. On y go! Allez, c'est parti. On est avec Croqui, l'un des chauffeurs de taxi les plus sérieux que je connaisse.
Bonjour Ouki. Bonjour monsieur. Ça fait combien de temps que tu es dans ce secteur du taxi dans un premier temps? Déjà, ça peut déjà faire 6 à 7 ans. Hein? 6 à 7 ans? Oui, 6 à 7 ans. Ok, donc vous êtes un bon connaisseur de ce secteur. Bon, on va pas dire bon connaisseur, on apprend tous les jours. Hein? Parce que okay. Non, je me connais, okay. Matin taxi, je me connais. Ok. En fait, ce qu'on dit souvent pour aller droit au but, c'est que c'est un business qui ne rapporte pas. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que ce business ne rapporte pas? Bon, en fait, on ne va pas dire que ça ne rapporte pas. Tout business rapporte, mais ça dépend de la manière dont tu gères le business. Ok. Tout ça, c'est dans la gestion. Ok. Il faut savoir s'organiser quand on gère un business comme le taxi. Parce que le taxi, il rapporte de façon à ce que vous devez vous arranger quand vous travaillez au taxi. Ok. De façon à ce que quand il y a des entrées, ces entrées-là, vous devez les dépenser n'importe comment. Ok. Voilà. Donc ces entrées-là, il peut arriver que vous avez peut-être un taxi, vous avez peut-être, on a ce qu'on appelle j'ai l'essence, la recette par jour c'est 20 000 francs. Ok. Dans cette recette-là, par jour 20 000 francs, dans cette recette, vous la mettez de côté. Ok. Bon, pendant un certain temps. Sauf que il peut arriver qu'il y a des petites pannes, c'est normal. Parce qu'on appelle les bonnes routes de route, ne sont pas bonnes, tu m'entends peut-être. Tout à fait. Vous allez peut-être avoir des rotules à changer, avoir les roulements, des petites pannes dans ce genre. Mm-hmm. Et après, il faut garder, à chaque recette, il faut garder un fond. Ok. Un fond de roulement qui permet de pallier s'il y a des pannes, s'il y a des soucis. Exact. Donc il faut éviter de manger tout l'argent de la recette pour faire ça. En fait, il faut éviter de manger l'argent de la recette. C'est exact. Si vous avez trop pris, ouais. Bon, c'est 10 000, 20 000 de plus. Okay. Le reste là, c'est pour le taxi parce que le jour où ils vont demander s'il n'y en a pas, ils vont se refuser. C'est okay. Comme ça, nos frères là s'en sortent. Parce qu'il faut savoir, il faut qu'on paye gestion. Okay. Le taxi roule comment? Moi, le chauffeur, par exemple, à l'époque, quand on a commencé, on avait des salaires. Okay. Par exemple, diesel, là, c'est 24 000 francs par jour. Dans les 24 000, on avait le salaire, on avait des dimanches. Okay. Bon, maintenant, essence, c'est 22 000 francs par jour. Dans les 22 000, on avait le salaire, on avait deux dimanches. Donc, deux dimanches pour le propriétaire, deux dimanches pour le chauffeur taxi. Maintenant, la donne a changé. Compte tenu de la circonstance, les choses sont devenues dures. Maintenant, ça se passe comment? Les quatre dimanches, c'est pour le chauffeur taxi. Et la vidange simple et la vidange complète, okay. C'est pour le propriétaire du véhicule. Celui qui s'occupe en tout cas du véhicule à 100%. Ok. Voilà. Vous avez une idée du coût d'une vidange, bon, et la fréquence? La vidange normalement, les vidanges totales, parce que c'est souvent mieux d'aller à total. Total est la meilleure maison de vidange, voilà, parce qu'ils ont sur les bonne huile. Ok. En tout cas, c'est total qu'on voit. Ok. Parce qu'ils ont les vidanges de 12 000, okay. 500. Ils ont les vidanges de 14 000. Ok. Faut ouvrir vers l'extérieur. Non, j'arrive. Hein? Oui, allons-y, allons-y. C'était mes gars. On va passer par Ndogo. On va passer par Ndogo, c'est bon. On va passer par où c'est Ndogo. Sinon, tu les laisses d'abord, c'est comme tu veux. Bon, d'accord, y'a pas de problème. Allons-y. Montez. Les voitures d'essence. Allez-y, montez, maman. Les voitures d'essence. C'est pareil, hein, parce qu'il y a, les, y a la différence d'huile. Ok. Sinon, c'est le même prix. Hein? Bonjour. C'est le même prix, le bidon d'huile coûte 12 500. Ok. La voiture d'essence. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, mais combien? 400. Ah, attends. C'était vraiment vrai que le billet de 1000 francs, elle allait partir là. C'est là, John. Où ça? Non, j'arrive pas à la mener. Et puis il faut avoir le chauffeur de confiance. Il faut avoir un chauffeur de confiance. Voilà, parce que ce qu'on dit souvent, c'est vraiment l'un des facteurs clés du succès dans ce business, bien c'est le sûr, chauffeur. Parce que c'est lui qui fait rentrer le bonhomme. Okay. Sans lui, vous n'avez rien. Mm-hmm. Voilà. Donc il faut vraiment avoir quelqu'un qui a l'amour du métier. Okay. Parce que c'est pas un travail facile. Sur la route, on a les policiers, sur la route, on a les gendarmes. Bon, ça veut dire que. Il peut arriver que le chauffeur, tu sais, n'est pas bon. Il vient te dire qu'il n'y a pas eu la recette aujourd'hui parce que j'ai eu tel ou tel. Tu vas pas le croire, mais c'est la vérité. Ok. Voilà. Parce qu'il y a d'autres aussi qui ne savent pas s'exprimer avec les
fait, tu as peur. Avec les forces de l'ordre, il faut avoir un certain tact. Une politique. Une politique, voilà. Savoir communiquer avec eux. Et là, aujourd'hui, les problématiques, les propriétaires rentrent facilement dans leurs frais parce qu'en dehors du fait qu'ils paient aussi la licence, ce sont ceux qui paient la licence de taxi. En plus, 6 mois, le propriétaire a déjà récupéré tous ses frais. Toute sa mise. En plus, 6 mois. En 6 mois, le chauffeur a récupéré. Vous faites le calcul à l'heure de, comme c'est disait, à l'heure de 24 000 francs par mois. Oui. On va enlever le salaire. C'est ça qui paie, parce que maintenant, on a payé le salaire au chauffeur. Ouais. 24 000 francs par mois, ici, sur après de 6 mois, vous avez récupéré. Ici, c'est 3 millions que vous avez récupéré. Vous avez récupéré largement. C'est vrai, parce qu'en temps, on est déjà dans le milieu, alors qu'aujourd'hui, une licence à Libreville, c'est à peu près 300 000. Autour de 300 et puis si on paye en retard sa licence 350 000 mais au final c'est bien en dessous de 3 millions. On n'a même pas parlé de licence encore, on va dire il n'y a pas de licence, c'est de dire que bon, c'est la mairie. C'est la mairie, tout à fait. Les autorisations, exactement. Tout à fait. Les taxes, toutes les taxes qui accompagnent ce package et le numéro de portier. C'est à 300 quelque chose, plus 400 000. Ok. Déjà, on est satisfait parce qu'on peut résumer que c'est un business qui rapporte, contrairement au Congo ça. Voilà, ils nous ont dit, et que ça nécessite d'avoir une bonne gestion. Voilà. Essayer de comprendre ce que vous avez dit. Il faut bien gérer. Voilà, il faut être sérieux. Il faut trouver un chauffeur, un partenaire de confiance. Il faut que vous aussi le propriétaire soyez sérieux. La confiance est réciproque. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop dire chauffeur. En fait, le chauffeur, c'est un partenaire. Voilà. Ce n'est pas forcément, les gens me disent, c'est un salarié, mais c'est aussi votre partenaire. Et la confiance se gagne. C'est-à-dire qu'en même temps que vous cherchez un chauffeur de confiance, il faut aussi que vous-même, vous soyez une personne sérieuse. Moi, je dis souvent aux gens, ne cherchez pas des gens de confiance, mais il faut bâtir des relations de confiance avec les gens. Voilà. Parce que si tu cherches l'homme de confiance, tu ne vas pas le trouver. Il faut instaurer une relation de confiance avec quelqu'un. Ça, c'est vrai. Mais en tout cas, monsieur Rocky, merci pour toutes ces informations. Okay. Moi, je pense qu'on va pouvoir faire affaire parce qu'en fait, pour la petite histoire, on s'apprête à rentrer en partenariat avec monsieur Rocky. Mmh. Donc, on en profite pour partager avec vous le futur partenariat qui est en train de se monter entre monsieur Rocky et moi. Donc, on dit au revoir à tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Allez, ciao tout le monde. Okay. Ciao. Ciao dans tout le monde.